Le service de réanimation polyvalente s'intègre dans l'un des plus grands hôpitaux universitaires d'Europe, la Pitié-Salpêtrière, hôpital spécialisé dans la médecine et dans la chirurgie adulte. Dans ce service, nous avons une triple mission. D'abord et avant tout, assurer l'excellence des soins. Ensuite, former les futurs médecins. Nous accueillons tous les jours de jeunes étudiants en médecine qui sont intégrés dans l'équipe et qui, par compagnonnage, apprennent leur métier. Nous avons aussi une troisième mission, qui est la recherche. L'intérêt, c'est qu'on a donc un plateau technique très important et un grand nombre de spécialistes, ce qui nous permet d'avoir des avis et des discussions constructives et intéressantes avec les différents spécialistes. La réanimation est une spécialité très exigeante. Elle nécessite un travail d'équipe, une complémentarité, une polyvalence, un dialogue continu et une grande disponibilité. Il y a une grosse cohésion effectivement entre les équipes médicales et paramédicales, que ce soit autour du patient ou que ce soit en dehors de tout ce qui entoure le patient, parce qu'en fait la réanimation c'est comme une grande famille en fait. Et le mieux on travaille ensemble, le plus on a une vraie cohérence dans la prise en charge du patient. La qualité des soins d'un service de réanimation dépend principalement de l'activité de recherche clinique. Il existe dans notre service une unité de recherche clinique composée de médecins du service qui connaissent les domaines dans lesquels il faut progresser. C'est à ce prix que l'on peut maintenir une qualité de soins élevée et la faire progresser en permanence au cours du temps. L'hôpital est associé à une université très renommée, la faculté de médecine Pierre et Marie Curie. Une des missions importantes de ce service est la formation des jeunes médecins, étudiants en médecine, internes des hôpitaux, chefs de clinique, assistants. La faculté de médecine est très proche du service. Au sein du service, on a beaucoup d'étudiants à prendre en charge. C'est vrai qu'on a comme rôle de les encadrer et petit à petit les responsabiliser pour les faire petit à petit évoluer vers leur futur travail de médecin et les responsabilités qui y sont inhérentes. La complexité des pathologies, des maladies que nous avons à traiter dans le service impose une informatisation du dossier médical. Ceci permet de faire le lien avec les équipes d'infirmières et permet de sécuriser les soins prodigués à nos patients. En réanimation, on a des défaillances d'organes, on a des besoins spécifiques et grâce à ce logiciel, nous avons pu créer vraiment un outil adapté à notre service. Nous avons accordé la plus grande importance à l'aménagement intérieur du service. Ce que nous avons cherché à éviter, c'est les murs blancs, lisses, reflétant une lumière vive. Nous avons cherché à faire une atmosphère apaisante qui va diminuer l'anxiété des patients, des familles et du personnel soignant, infirmier ou médecin. La sévérité et la complexité des maladies que nous avons à prendre en charge dans le service imposent une haute technologie, un haut niveau scientifique. Mais elle impose aussi beaucoup d'empathie, beaucoup de communication, beaucoup de disponibilité des infirmières, des aides-soignantes et des médecins à l'égard des patients et des familles. Observer pour anticiper les besoins des patients et des familles. Accueillir et prendre soin. Informer les familles. Comprendre et apprendre. Transmettre et enseigner. Assurer la qualité des soins. La recherche pour mieux soigner. Excellence.